Regardez les aventures de Franco, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez au maximum. Ok. Clarisse, dis-moi, tu joues à quoi? Oui, je suis dépassée, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Je joue à quoi? Comment? Arrête, Clarisse. Tu me comprends pourtant bien. Écoute, je comprends finalement que tu es là juste pour le divertissement. Tu es là, tu t'amuses avec mes sentiments. Je ne comprends pas de tout ce que tu es en train de raconter là. Tu ne comprends pas quoi? Je joue avec tes sentiments comment? C'est de trop. Attends, c'est la 40e fois que tu viens chez moi. La 5e fois? C'est la 5e fois, tu dis bien. N'est-ce pas? Ce garçon fait quoi ici? Je t'ai dit quoi la fois passée? Ouais, chérie. Ouais. Ça veut dire que tu n'as rien compris de tout ce que je t'ai dit la fois dernière. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que c'est l'enfant à ma grande sœur. Et quand je venais, ma grande sœur n'était pas là. Elle est indisponible. Okay. Raison pour laquelle j'ai amené cet enfant ici. D'accord. Tu voulais que je laisse l'enfant ou chez le voisin ou bien dehors. Okay, okay. Et si quelque chose arrivait à l'enfant, je devais être responsable. Imagine un peu. D'accord. Mademoiselle, c'est mieux de rentrer. Je vais rentrer comment? Comme ça, chaque fois que tu viens chez moi, c'est avec ton petit-neveu ou c'est ton cousin ou c'est je sais quoi. Quand je t'invite au bar, tu es libre. Quand je t'invite dans un restaurant, tu es libre, tu viens seul. Quand je t'invite en boîte, tu es libre, tu viens seul. Mais quand je t'invite chez moi, ta grande sœur n'est jamais libre, c'est ça? Plus besoin de bavarder parce que je suis déjà fatigué. Cette histoire. Donc, c'est mieux de rentrer. Rentrer comment? Non, ça va, je n'ai plus besoin de toi. J'ai compris enfin ce que tu veux. Rentrer comment? Ouais, bébé. Bon, ça va, je veux pas de problème avec toi. Bon, donne-moi l'argent de taxi. Oh, Franco, tu restes comme ça, t'as pas bien. Je te donne l'argent de taxi pour rentrer. Il demande que tu as d'abord pris l'oiseau pour venir ici. Pardon, descends, libère ma véranda. Donne-la. Pardon, excuse-moi. Ouais, je l'attends. Viens. Trouve une autre solution. Trouve une solution. Ok, d'accord. J'arrive. Donne-moi juste 2 minutes. Tablette. Là, ce sont les bonbons. D'accord? Arrête.
D'accord. Viens. Il va s'asseoir là. Il va mettre un jeu sur la tablette. Il va jouer. Pendant ce temps, il suce les bonbons. Là, on entre, on... comme tu connais. Et tu rentres avec lui. Est-ce que ça marche? Franco, moi, je ne voudrais pas que l'enfant reste là. Toi-même, tu sais tout ce qui se passe là dehors avec les enlèvements et tout, c'est toutes les mauvaises choses. Si l'enfant reste ici là, il n'est pas en sécurité. Ok. Ok. C'est ma seule proposition. Remets-moi mes bonbons. Ouais, je vais. Attends. D'accord, ça va. Ok. D'accord. Mon petit, viens. Tu vas t'asseoir ici. Attends, j'allume. Ok. D'accord. Tu vas rester jouer, n'est-ce pas? Hmm? D'accord. On va entrer. Oh merde. Attends. Chérie, oui. Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Mmh. Je t'aime tellement à un point. Je ne sais même pas comment te prouver ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Comme tu me vois là, j'ai tellement envie d'être avec toi, rester avec toi. Mais comme le démon fait souvent les choses, je sais pas ce qui nous empêche. Donc je voulais te proposer quelque chose. Oui. Je voudrais que tu me donnes l'argent de taxi. Je rentre à la maison, je laisse l'enfant chez ma grande soeur. En fait, ma grande soeur, elle est à la maison. Ce que j'ai fait là, c'est juste un petit piège que je t'ai tendu. Parce que je voulais voir si tu m'aimes vraiment ou bien si tu es là pour autre chose. Là maintenant, je me rends compte que tu m'aimes vraiment d'un amour sincère. Donc, je tiens vraiment à m'excuser pour ce désagrément. Alors, donne-moi l'argent de taxi. Je ne vais pas laisser l'enfant à la maison. Et je reviens immédiatement. Les femmes. Donc, ta grande soeur à la maison. Oui. Oh, tu faisais tout ce jeu-là pour... Non, je voulais seulement te piéger pour voir si tu m'aimes vraiment. Mmh. Maintenant, j'ai la conviction que tu m'aimes. Mmh. Ok. Bon, qu'est-ce qui me rassure donc maintenant tu vas revenir? Ah, Franco. Tu m'as invité combien de fois? Est-ce que je t'ai apposé un lapin depuis que tu m'invites là? Je viens toujours à tes invitations. C'est pas maintenant ou bien aujourd'hui que je vais décider de ne plus revenir. Je n'ai même pas 15 minutes. Je pars à la maison, je laisse l'enfant, je reviens immédiatement. Ok, d'accord. Je te fais confiance pour une dernière fois. D'accord. Tu sais, moi-même, je t'aime aussi très fort. Je t'aime beaucoup. Hein? Souris à l'OMP. D'accord. Tu me donnes une minute. J'arrive. Hein? Regarde-moi ça. Faco, cher imbécile. Tu es fou. Regarde-moi ça, chien. Ok. Viens, mon petit. Donne-moi la tablette. Reste avec les bonbons. Hein. Va sucer, tu donnes tous tes frères à la maison. Mais laissons pas avec la tablette, non. Non, chérie, avec la tablette, comment? Bon, une autre fois. Bon, là, c'est 2000. Non, je t'attends. Ouais, chérie, tu sais que je t'aime tellement. Non? J'arrive. 15 minutes, d'accord. Non, pas bien. Mon frère, que ça soit la dernière fois que tu t'arrêtes de vouloir voir dans ma laine parisienne. Tu touches. Reviens vite. Tu vas lire l'heure sur le calendrier. Tu ne connais pas Franco. C'est pas vraiment sérieux. Comment elle peut me dire 15 minutes? Elle fait une heure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je mange à le cœur.
Oui, chérie. Mais tu m'as dit 15 minutes. C'est à une heure. Tu es à quel niveau? C'est ta bouche. Donc c'est ça. Tu crois que tu m'as eu. Mais le match ne fait que commencer. Je vais te faire ça dur. Tu ne sais pas qui est Franco. Merci, merci encore mes frères et sœurs, merci mes fans d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification les amis pour recevoir les notifications des prochains films. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Je vous attends en commentaire, on va discuter un peu.